située à Wahine, à 192 km de Tahiti et de ses quartiers, de ses foyers d'accueil. C'est la cinquième fois que la saga pose ses valises au bord de ce lagon. Une eau cristalline et un vent moyen cette semaine, des conditions idéales pour un stage de voile. Est-ce que vous êtes sage ou est-ce que vous êtes terrible ? Non ! Pour cette 26e édition, 720 enfants sont accueillis, choisis par les services sociaux ou placés en foyer pour la plupart, mais aussi des natifs de Wahine et quelques-uns issus des comités d'entreprise de Tahiti. Pendant une semaine, ils oublient presque leur quotidien souvent difficile et apprennent l'esprit d'équipe. Et c'est quoi le mieux, d'apprendre à naviguer ou de se faire des nouvelles copines ? Apprendre tous les deux. Tous les deux. Trois anciens stagiaires sont aujourd'hui aides-moniteurs. Ils ont décroché leur permis bateau et se forment pour devenir moniteurs de voile. Attention, attention le bateau. J'ai débuté en tant qu'élève. Ben, j'ai été sérieuse, tout ça et tout ça. Et après, mon moniteur m'a proposé. J'ai cru que c'était une blague. Mais après, il m'a dit que j'allais venir les deux dernières semaines. Je suis venue et depuis 3 ans, je fais Edmono et cette saga, je passe la formation pour devenir monitrice. Cette semaine, ils sont 144 enfants âgés de 7 à 17 ans à naviguer sur ce spot magique de Wahine, au motu de Tefaleri. Il est magnifique, hein, comme on peut voir. Il y a du bleu foncé, du bleu clair, du turquoise, du blanc. Enfin, on en prend plein les yeux. Mais les tempêtes administratives sont parfois plus difficiles à affronter pour les bénévoles que n'importe quel mauvais vent. Quand on parle des subventions, monter un dossier de subvention aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était assez relativement facile. Là, maintenant, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de contrôle, ce qui est très bien dans un sens, mais c'est aussi un gros travail. C'est le plus gros travail que l'on ait en amont. C'est ça, c'est pas du tout l'animation, c'est pas du tout la gestion du matériel. Doudou a redonné le sourire depuis 25 ans à près de 17 000 enfants. Puisse l'aventure de la saga encore continuer à rayonner longtemps.